Breslev Boost avec Francky Pérez. La dynamique de la venue du Mashiach s'articule autour de la connexion entre les âmes. C'est d'ailleurs un immense cadeau d'Hachem que les moyens de communication aient connu un essor considérable tant au niveau de leur démocratisation qu'au niveau de leur performance technologique. Pouvoir avoir des nouvelles d'un proche au Canada ou en Australie 24 heures sur 24, n'est-ce pas extraordinaire? Pouvoir écouter un cours Breslev en direct live sur Internet, n'est-ce pas fantastique? Nous sommes liés et nos âmes sont liées. En d'autres termes, le monde entier est déjà Echad, un. Il ne manque plus qu'à ce qu'il soit Echad avec Hachem. Mais ce n'est qu'un simple branchement de prise. Mashiach arrive. Rabbi Nachman disait, « Si je sauve une personne, les âmes qui sont attachées à cette personne sont elles aussi sauvées. » De ce fait, en se connectant à une personne se trouvant sous l'aile du tzaddik, nous sommes sauvés à notre tour. C'est une raison supplémentaire pour remercier Hachem pour ce beau présent que représente Internet, malgré ses grands dangers. Nous échangeons, et c'est une dimension extraordinaire. Optimisez cela au maximum, diffusez les paroles de joie, de chizouk, faites tout afin qu'à n'importe quel moment du jour, des paroles de chesed circulent. Plus de diffusion de la vérité, plus de prise de conscience. Plus de rapidité dans la venue de la Géoula. Si Moshe Rabbeinu avait été diffusé sur Internet, si Rabbi Nachman avait eu Internet, le monde aurait certainement pu être réparé immédiatement. Shabbat Shalom les amis.